Oui, il y a plusieurs livres qui ont marqué ma vie. En fait, tous les livres de Frédéric Dard, qui a été, je peux dire, mon père spirituel, parce que je n'avais pas de vrai père. Et j'ai appris la vie dans ses bouquins, dans les digressions. En fait, les intrigues policières étaient des prétextes dans ces bouquins et c'était les digressions qui étaient entre les pages policières qui m'intéressaient. Alors que lui disait au lecteur, là pendant 5 pages je vais faire une digression, si ça t'intéresse pas, va tout de suite à la page 138. Moi c'était ça qui m'intéressait et c'est là que j'ai appris la vie vraiment. Le matin, toujours, tôt, jamais la nuit. Quelquefois, quand il m'arrive de rentrer tard et de me dire que j'ai une super idée ou d'avoir fait la fête et tout ça, quand je relis le matin, c'est de la daube, c'est nul. Donc non, je me lève le matin, il faut absolument que je sois propre, que j'ai pris une douche, que j'ai une chemise propre, que voilà. Et je travaille en général à partir de 6h30 jusqu'à midi, quoi. Moi, j'aime Nice, rien que le nom, enfin, je veux dire, c'est un lieu magnifique. Et ce salon, je pense que c'est la 3e fois que j'y viens. C'est toujours un plaisir, évidemment. On est sûr d'avoir... Il y a un avant-goût de vacances, de toute façon, et de rencontre avec les gens, qui est toujours sympa, agréable, et une sensation de partage, comme ça, au soleil, que demander de mieux.